Ok, un à terre. Deux à terre, deux à terre. Trois à terre. Allez, let's go, full team! Yop les tryhards, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Warzone. On va se retrouver pour la best class setup Kilo qui va, selon certains, avoir quelques petites modifications, mais bien évidemment, je vais en parler. La Kilo qui est une arme qui ressemble beaucoup à la M13 ou à la M4, mais je pense que vous allez juger par vous-même, par la qualité du gameplay, si elle en vaut la peine ou pas de jouer. Mais avant d'attaquer évidemment toute la classe et tout ce qu'il faut concernant la Kilo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On est à plus de 120 000 abonnés. On monte. Road to 200 000 tryhards, mon pote. On est bientôt aux 200 000. Donc on s'en rapproche de plus en plus. Chaque jour, il y a plus en plus de tryhards. Et surtout, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà, je sais que vous êtes très content des best class setup. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de vous les partager. Donc n'hésite pas à défoncer cette barre de like. Franchement, ça motive à fond. Plus de 1200 likes, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs, au niveau du gameplay, ça a été réalisé ce matin sur Twitch. Donc n'hésite pas, lâche ton gros pouce bleu. Tu connais l'objectif, 1200 likes. Let's go. Maintenant, on va attaquer directement par la classe. Je vais parler par certaines choses assez importantes. Le premier, évidemment, toujours la même chose, silencieux, monolithique, qui est pour moi vraiment un accessoire super important. Et cette fois-ci, pas de frein de bouche. La M4, je dis juste frein de bouche quand vous êtes en groupe, pas quand vous êtes en solo. En solo, vaut mieux le mettre le silencieux. Mais silencieux, monolithique est vraiment plus important. Niveau du canon, justement, c'est là où il y aura un petit débat dans l'espace des commentaires. J'aimerais bien avoir votre avis. Il y a deux choses si vous voulez vraiment améliorer la Kilo. Il y a soit le premier, au niveau de la portée des dégâts et la vitesse des balles et le contrôle du recul, qui est super important, ou sinon tout simplement vous prenez évidemment le deuxième canon. Ça c'est votre choix parce que tout va être basé sur votre vitesse de déplacement. Personnellement, j'aime bien jouer avec le premier, même si le deuxième est très intéressant. C'est vrai que niveau mobilité, ça va encore. Donc, comme vous avez envie, soit l'un, soit l'autre, par rapport à ça. Niveau de l'accessoire du canon, évidemment, je vais mettre la poignée avant de tireur d'élite pour garder un certain contrôle. Ça aussi, c'est de nouveau super important. Ensuite, niveau du viseur, ça je vous le dis tout de suite, c'est toujours la même chose, mini viseur réflexe GI, plus important pour moi. Hein. Je le dis sincèrement, c'est clairement la chose la plus importante. Et maintenant, il y aura un petit débat selon certains. En solo, ce que je vous propose, c'est ne pas toucher au niveau des munitions. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais vous pouvez le faire. Si vous êtes plutôt en 3v3 ou en 4v4, je vous recommande de jouer avec soit 60, soit 100. Mais vous allez perdre énormément de mobilité. Donc, de nouveau, les goûts et les couleurs. Si vous êtes en trio, jouez avec le 60. Si vous êtes en solo, vous n'êtes pas obligé et vous jouez avec la poignée arrière pointillée pour avoir une visée accélérée. De nouveau, solo, c'est comme ça. Si vous êtes en trio, vous enlevez ça et vous mettez le chargeur soit à 100, soit à 60. C'est de nouveau votre choix là-dessus. Petite modification selon certains modes de jeu. En solo, il n'y a pas vraiment besoin des 60 balles. C'est comme vous avez envie. Enfin bref. Qui est là. Oh là là, le shoot. Ça c'est le FAMAS. Vas-y. La Kilo. Elle dit qu'elle rougit, mais elle rougit pas. Elle fait genre, tu sais, elle est très modeste comme fille. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Ok. Vas-y.
Y'a pas les courses à faire aujourd'hui? Non, non, y'a pas besoin. On a déjà tout fait là. On a profité d'ailleurs pour aller voir la grand-mère aussi. Fallait voir comment. Comment la grand-mère allait, etc. quoi. Ok. Bon, ça a déjà été vidé ici. J'espère que. Ouais, génial, hein. Ouais, génial, génial. Tu me dis hein, si je peux prendre une arme, frérot. Hein. Ouais. Eh non, mais. Je vous dois tous de l'argent, ça se passe comment là? Mec, je leur dois de l'argent, ça se passe. J'ai une dette de poker que je savais pas. C'est qu'est-ce qui se passe là? Vous voulez pas un peu me lâcher la grappe? Chier. Après c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment, mais moi je trouve horrible. Ok, ok. Faire un truc de localisation là à côté. Ah la Odin par contre dans la tête ça pardonne pas. Hein. Je ferais juste un tout petit peu de thunes quoi. C'est trop demandé. Enfin, tu sais quoi, on va aller prendre nos classes et puis. Hop là. Du coup on a dit quoi? On passe la kilo? Allez, c'est le moment de tester la kilo. Ok. Ok, ça c'est fait. Arrête de bouger. What? Non, 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 non. Et la balle, elle est sur toi, là. Ok, d'accord. D'accord, frérot. D'accord. Directement, il est parti camper, l'autre. Et en plus c'est un FR hein. Et le mec il réussit à se plaindre. C'est honteux.
frappe de précision. Encore. Ça commence à faire beaucoup des frappes de précision là. Il joue de plus en plus avec, j'ai remarqué. Je sais pas pour vous. Mais je trouve que dans les lobbies, de plus en plus ça joue avec des frappes de précision. Je sais pas si c'était sur moi. Dans le doute, on bouge. Vous êtes traqué. Ah. Génial tout ça. Ok, je sais où il est en plus. Il arrive. Ok, d'accord, je sais où tu es. Mais encore une frappe de... Mais what the fuck? What the fuck? Attends, t'es où toi? Ça dégage. J'ai de la chatte, hein. Là, j'ai de la chatte, par contre. Ok. On va vite aller récupérer une autoréa. Non, ce qu'on va faire, c'est ça en fait. Ouais, mais. Allez, achète! Vite. Vite, vite, vite. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Je me concentre.
quel autre. Il y en avait un qui était derrière moi, il était mort. Ça commence à se tirer dessus en plus. Et si je prends la zone avant eux, j'aurai un sacré avantage. Le truc, c'est qu'on voit plus personne. Ça devient assez problématique. Il y en reste 6. Oh, ok, je l'ai vu. T'es vraiment un envie de camper comme ça. Hein. Drone. Vite, 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 vite. Ok. Ok. Let's go, 19 kills. Putain, top 1, 19 kills. Let's go.